Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Ça c'est 6e épisode Retro Time. Jeudi, on va parler de une catégorie de monde qui porte contribution par yo dans évolution technologique, mais que nous yo très souvent pas cité et que histoire yo tout le monde oublié. Mais jeudi, on porte pour vous 5 femmes qui t'ai fait en pile évolution dans affaire technologie et nous porter histoire yo pour capable découvrir aujourd'hui. Numéro 1, Ada Lovelace. Li fait en 1815, Ada Lovelace est considérée comme étant une des plus grandes mathématiciennes qui a gagné dans l'époque là. Ada Lovelace travaille aux côtés de Charles Babbage que nous connaissons surnommé le père de l'informatique. Et bien deux mounsaro yo tap travaille sur un projet qui relait machine analytique. Machine analytique là, il était là comme une calculatrice disons qui est capable de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Eh bien, Ada Lovelace lui-même était là pour être capable de faire algorithme qui t'a permettre que machine ça lui-même de fonctionner. Eh bien, travail ça t'a fait que on connaît Ada Lovelace comme étant première programmeuse qui existait. Numéro 2, Grace Hopper. Il fait dans l'année 1906, Grace Hopper était fait partie de la marine américaine et il était une informaticienne. Grace Hopper travaille sous algorithme, une machine qui a été relayée Mark 1 dans l'université de Harvard. Grace Hopper travaille sous un langage informatique qui a été relayé COBOL. Et en 1991, Grace Hopper recevait un titre qui est Médaille nationale de technologie nommé George Bush à l'époque. Pris ça, c'était la première fois que monde a recevoir le à titre individuel. Grace Hopper a mouru un an après en 1992. Numéro 3, Eddie Lamar. Il fait en 1914, Eddie Lamar c'est premièrement une actrice dans Hollywood et le film qui plus populaire que lui joue là-dedans c'est Extase qui sorti en 1933. Eddie Lamar était marié avec un marchand d'armes à l'époque de guerre mondiale qui était relé Friedrich Mendel. Eh bien Friedrich Mendel t'a pas permettre à ce que Eddie Lamar y habitué avec ça que relé missile. Eh bien, Eddie Lamar te travaille sur un projet côté que il t'a développé une technologie pour être capable de contrôler missiles à distance. Technologie ça te relé étalement de spectre par saut de fréquence. C'était une technologie qui t'a permettre de gain contrôle missiles et ensuite pour être capable sûr que yo arriver atteindre cible. Et technologie ça t'a à la base de Wi-Fi et puis Bluetooth que nous connais aujourd'hui. Numéro 4, Adele Goldberg. Du fait dans l'année 1945, Adele Goldberg tout lui-même c'était une programmeuse. Il était travaille dans Xerox, centre de recherche Xerox qui était trouvé à Palo Alto, côté que plus fort scientifique qui sorti dans le domaine informatique, c'était là où était passé et donc c'est disons l'école des pionniers dans le domaine informatique. Alors Adele Goldberg lui-même était développé un langage informatique qui aurait les Smalltalk. Langage ça nous t'appelle joindre dans premier Macintosh que Apple t'est sorti et par la suite Smalltalk t'a toujours utilisé dans pifo ordinateur qui vient gagner par la suite et jusqu'à présent il y a des ordinateurs qui gagnent langage ça en dedans qui permettent que il fonctionne. Numéro 5, Margaret Hamilton. Il t'a travaillé dans MIT en 1960, il développé un programme météorologique qui relait sage. Après, dans la période côté que tu as bien voyage sur la Lune, Margaret Hamilton, dans la mission qui était relait Apollo 8, c'est lui-même qui était chargé pour concevoir ça, relais système de guidage dans la fusée. Voilà, c'est histoire 5 femmes qui t'ont fait des bagailles extraordinaires dans le milieu technologique là. Bien que un pile fois oublié, bien que histoire, yo, personne ne pas connaît, mais nous t'ai fait découvrir 5 femmes ça, nous t'ai faire connaissance avec eux.
Merci parce que vous avez regardé la vidéo, ça, parce que vous avez consacré le temps pour être capable de découvrir ensemble avec moi l'histoire de 5 femmes extraordinaires. Alors, il y a 3 choses que vous êtes capable de faire avant de quitter la vidéo. Ça. Premièrement, c'est like sur mes vidéos. Deuxièmement, c'est commenter pour faire qu'on ait opinion sur la vidéo. Ça. Et troisièmement, c'est partager la vidéo. C'était avec vous, Bernie. Pas oublier ou sous Causetech, vous pouvez suivre la rubrique pour là qui c'est Retro Time. Bye bye, à la prochaine.